Dès sa première approche, il couche avec elle. Alors, chance du débutant ou pas? Bonjour, je suis Alex Wagner et j'aide les hommes actifs et motivés qui veulent dépasser leurs limites et quitter la friend zone pour oser rencontrer, attirer et charmer la femme qui leur plaît. Aujourd'hui, je vais te parler d'Edouard. Edouard, c'est un client de mon programme de coaching en ligne qui s'appelle Magnétisme Masculin. Edouard vient de débuter et là, tout de suite, et eh ben jackpot. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire en particulier vers la fin de la vidéo comment Edouard a fait pour progresser sexuellement avec cette femme sans risquer de prendre un gros râteau et sans risquer de passer pour un pervers. Mais on va commencer d'abord avec le début. Alors Edouard, c'est un mec, il a la trentaine, il habite dans l'Est et il n'avait jamais abordé une nana dans la rue. C'est un jeune chef d'entreprise et je l'ai aidé lors de la première session Zoom de groupe à dépasser sa peur d'aborder. Il m'a fait confiance, il a appliqué ce que je lui ai dit de faire et il a abordé une nana qui sortait d'un magasin. Il a pris son numéro. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est que tout simplement, il a proposé un rendez-vous. Il n'a pas cherché à la reséduire par SMS, il a juste géré la logistique. Elle est venue chez lui, c'était je crois midi et demi, un week-end, et elle est repartie à 17h. Et pendant ce temps, eh ben, il l'a mise à l'aise, confortablement chez lui, une chose a mené à une autre, et puis ils ont couché ensemble. Et là, il a envie de la revoir parce qu'elle habite à 20 km à peu près de chez lui. Alors, ce qu'a fait Edouard, et ce qui fait que, d'abord on doit l'applaudir, il a pris son courage à deux mains. Il est allé voir ce qui pouvait se passer quand il a vu passer cette femme. Il s'est osé à risquer de se faire rejeter, c'est-à-dire d'aller chercher un refus. Et en fait, il a eu une acceptation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il a osé tout mettre par terre lors de cette interaction en prenant le numéro de la nana. Donc là encore, il a osé une deuxième fois de se prendre un refus. Vous voyez, c'est payant de prendre ces risques-là, enfin ces risques perçus. Ensuite, il a pris des risques dans son appartement, en faisant des avances à cette nana. Mais en fait, là où il s'y est bien pris, et on a préparé ça ensemble, c'est qu'il y est allé progressivement. C'est-à-dire qu'il n'a pas bondi sur la nana tout d'un coup pour l'embrasser. Il a commencé par la toucher de façon progressivement plus assumée, plus affirmée. Et quand je dis une chose à mener à une autre, bah, ça veut dire qu'il a mis en place une sorte de pente grimpante d'intensification sexuelle jusqu'à arriver tout naturellement au baiser. Et c'est pour ça qu'Edouard a évité tout risque de se faire de prendre une grosse veste. Pourquoi? Parce qu'en y allant progressivement, il n'y avait aucune chance que la nana lui mette une grosse veste. Parce que si ça allait trop vite pour la nana, ou si elle n'avait pas envie, et bien comme Edouard y allait progressivement, simplement il aurait senti chez la nana un début de crispation ou d'agitation, c'est-à-dire une communication non verbale de gêne que Edouard aurait pris en compte pour ralentir, pour faire un grand pas en arrière, quitte à réessayer un peu plus tard sous un angle différent, parce qu'après tout, elle est intéressée, elle est quand même montée chez lui après le rendez-vous. Mais voilà, c'est en y allant progressivement que Edouard a évité de passer pour un pervers et qu'il a évité de se prendre une grosse veste. Okay? Si tu veux aller plus loin avec moi, tu télécharges mon guide gratuit qui est juste en dessous de la vidéo qui s'appelle « Les 4 compétences clés ». Elles sont à adopter et à cultiver pour pouvoir rencontrer, attirer et charmer la femme qui te plaît. Et je te retrouve demain pour la suite. Si tu n'es pas encore abonné, bah abonne-toi. Clique sur la cloche. Au revoir.